Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Don't Starve. Et donc c'est parti. Alors nous sommes dans le deuxième hiver, hein. On va essayer d'y survivre. J'ai normalement un chapeau de buffalo et encore un chapeau d'hiver à finir avant. Il faut que je replante une forêt, que je me fasse de la bouffe. Donc là par contre j'ai 13 bombes, donc ça c'est vraiment excellent. Ok. Alors, viens là, Shifter. Ça fait un peu dégueulasse comme ça, donc je vais utiliser ma pelle. Et on va creuser ce qui nous fera de la bûche. Voilà, on pourra replanter proprement après. Alors, voilà. Donc j'ai encore 13% de mon bonnet d'hiver là. Voilà. Alors, donc on voit qu'il fait très très froid. Alors je me suis pas rasé parce que ça tient plus chaud en hiver la barbe. Donc ça c'est cool. Hop. Voilà, c'est pas mal. Oui, j'ai plus de pioche, de pelle. On s'en refait une. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se faire des pièges avec les dents de... Les genres de loups, là, enfin les chiens qui m'avaient attaqué une fois, qui m'avaient laissé plein de dents. Et on peut se faire des pièges avec ça, donc il faut que je regarde un peu. Et ça peut être intéressant parce que si on arrive à ce que les ennemis se mettent dessus, ben ils se prennent des dégâts. Donc ça peut. Je crois que ça one-shot les lapins. Puis les gros ennemis, ça pourrait être toujours sympa parce que s'il y a des reines araignées qui viennent m'attaquer ou je ne sais pas quoi, on sait jamais. Allez, vas-y. Faut que je tue des lapins aussi. Voilà, au niveau du bois. Mince! J'ai creusé son terrier à lui, tant pis. Il pourra plus se cacher. Allez, il reste 20% de la pelle. Temps de faire encore quelques. Ah putain, il fait déjà nuit. Ah ouais, la journée passe super vite. J'avais oublié ce petit détail. En tout cas, j'ai pas gelé, ça c'est plutôt bon signe. Et j'ai pété ma pelle. Alors, je m'en refais pas une autre, pas besoin. Je vais prendre la lance. Ici, je vais replanter ça. Voilà. On va dire que comme ça, c'est bien. Le miel, je ne le prends pas pour l'instant, j'ai pas besoin. Alors, ah oui, alors cuisses de grenouille. Alors, c'était quoi la recette avec les cuisses de grenouille? Cuisses de grenouille, 2 baies et des légumes. Les 2 baies, je pense que c'est mort. Bon, tant pis, on va essayer de se faire des cuisses de grenouille à ça. Hop. Ici, on va mettre ça avec. Une brindille. Et on va tuer quelques lapins. Et hop là. Ici on a quoi? Ah oui, c'est Lightstone. Faut que je me fasse un feu peut-être. Ce serait une bonne idée. On va manger ça. Voilà, c'est tout bon. Alors, un lapin en plus, ça c'est cool. La bouffe est prête, ça c'est cool aussi. Hop. Il n'y a plus rien par contre. Ouais, donc faudra que j'aille piquer du miel.
Allez, on va piquer ici et vite se barrer. Ah bah elles sont même pas sorties les abeilles, donc c'est cool, autant récolter en hiver alors. Alors, hop, deux, le reste au frigo. On récupère ça et je commence à avoir froid. De toute façon, il est grand temps de faire un feu. Voilà. Alors, j'ai 99 en vie, je vais faire ça. Voilà, 119. C'est déjà un peu mieux. Et on va attendre pendant la nuit, hein. Pas grand-chose à faire. Non, je vais regarder pour les pièges là. Avec les dents que j'avais vues. Non, c'est pas ça. C'est pas les mines non plus. Alors, je vais bien chauffer le feu pour chauffer l'Hightstone. Voilà. Alors, c'était ici. Non, mais c'était où alors? Peut-être que je sois près de ça. Voilà, c'est ça. Donc, il me faut une corde et des dents. D'accord. M'en faire deux. Les dents, je vais les prendre. De toute façon, elles ne me servent qu'à ça pour l'instant. J'ai l'impression qu'elles servent à autre chose. Alors, c'est où? Je vais me faire un nouveau truc ici. On s'en fout. Alors, c'est où? Là, faut que je sois près de l'autre. Bah alors, Alchemy Engine, j'y suis là. Et voilà. Je retourne près du feu. Donc, ça s'est mis où? Je le vois pas. Ah oui, là, ici. Ok, je peux m'en faire combien? Je peux en faire deux. Il y a encore plein. Allez, je peux en faire encore deux autres, on va dire. Voilà. Hop, on récupère ça. Et on va aller les placer, je sais pas où. Parce que j'aimerais bien tirer les crapauds dans ces... Enfin, les genres de grenouilles dans ces pièges. Ça pourrait être sympa. Donc à voir. Oula, les buffalos sont en chaleur. Faudra que je fasse gaffe. Un cochon qui dort, d'accord. Alors, que peut-on faire? On peut essayer de se tuer le coéléphant d'hiver. C'est pas une mauvaise idée. Alors, la trace, je la vois mal. Ok, il est par là. Faudrait que je me fasse des potes. Allez, on va tuer quelques lapins. 2, 3, 4, on va dire. Non, 4 seulement. Voilà. Allez. Toi, t'es mon copain. Toi aussi, j'espère qu'on aura le temps parce que franchement, l'hiver. C'est un peu chaud quoi. Ça passe vite. Ici. Toujours en bas. Oh putain, il me charge le salopard. Non, non, non. Oh là là. Quelle idée. Je voulais vraiment pas faire ça. Ah, j'aurais dû placer mes mines. Alors où est la trace? J'ai pas vu.
Mais du coup, les cochons ne me suivent plus. Ah, c'est dommage, ça. Allez, Chester, tu vas garder quoi d'autre? Tu vas garder les pièges. Ouais, l'autre est mort également, je vois. Ah, mais je suis bête, si je porte le truc de Buffalo, il m'attaque pas. Bon. Alors, ouais, mais ils attaquent Chester aussi. Bon, je vais vite me barrer. Ce serait cool de pouvoir se faire le co-éléphant. Ah, toi, tu vas être mon copain. Mais tu es pas Chester, il m'est précieux là. Alors, j'ai pas vu la trace, elle va où? Et j'ai l'impression qu'ils ont tué Chester. Putain, ils ont tué Chester, quoi. Oh non. Bon, je reviendrai prendre ce qu'il avait une autre fois. J'ai pas réussi à me faire le coéléphant, c'est dommage. Bon, allez, on va finir le bonnet d'hiver. Ça, on peut prendre. Voilà, bah il est fini. Alors, on est où? Ok. Donc on va descendre. Au moins j'ai eu des baies. Je vais manger ça rapidement. Alors, ah ouais, Chester, il est devenu bizarre son œil là. Allez, avec ça, on va dire. Hop. Ça, on laisse au frigo. Ça, j'en mets deux. Hop. Une branche comme d'habitude. Et on va tuer un lapin pendant la nuit. Des meatballs, c'est tout bon. Alors, je sais pas si Chester revit, il me semble que oui. Hop, tu meurs. Et c'était dans celui-là, je crois. Voilà. Bah, il est passé où le lapin? J'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Là, tu meurs. Et voilà. Ici, il n'y a plus rien. On va chauffer Lightstone. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les coffres? Toile d'araignée, ok. Ok. D'accord, bon. Alors, la peau de cochon, on peut la mettre là. Ici. Les dents, pour l'instant, pas besoin. Bon, ça, bah, j'aurais pas du tout donné à Chester, mais bon, je pouvais pas deviner. Et donc, voilà. Mais non, 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 va pas là, t'éloigne pas. Ça, on garde là. Et les trucs pour me soigner aussi, hein. Très important. Bon, est-ce que j'essaie de me faire le coéléphant? C'est ça la question. Est-ce qu'on voit où est mort Shifter sur la carte? Allez, on va manger.
La pierre chauffe, c'est tout bon. Je peux déjà préparer les deux miels qui étaient dans le frigo et les mettre là. Avec en plus une branche. Voilà. Je tue un lapin pendant la nuit parce qu'on a que ça à faire. Et voilà. Et je cuisinerai quand je serai rentré. Absolument que j'aille récupérer Chefster là. Franchement, il est mort. Je pensais vraiment que je pouvais approcher les buffalos. Et c'était le cas avec mon bonnet, mais j'avais complètement oublié Chefster pour le coup. Alors, il est mort quelque part par là, je crois. Très pratique ce chapeau de buffalo, heureusement que je l'ai eu. Alors, Shifter, t'es dans le coin? Oui. Enfin, c'est à moi tout ça. Bon, bah, il n'y a plus Shifter, mais j'ai récupéré au moins ça. Alors, est-ce qu'il y a les traces de l'animal? Enfin, non, de toute façon, là, il y a la mer, donc. Ah, bah, si, là. Ok, bon là on va se le faire, on va venger Chefster. Allez. Toi, copain. Est-ce qu'on peut se rendre un truc. Oh putain, là tu vas. Alors, tant pis, là tu seras pas mon copain. Alors, c'est par là. Ensuite. C'est encore par là. Ici. Parce que celui d'hiver, je l'ai pas encore eu et ça peut nous faire un truc, un genre de gros manteau comme ça. Très utile pour survivre à l'hiver. Ok, donc les lacs sont gelés au moins en Europe. Ah oh, oui, très utile ça. Ah mais je peux plus le porter. Ah, fuck. Tant pis. Il est où? J'ai plus vu la trace. Ah, j'ai dû rater la trace. Pour revenir sur la dernière. Où était la dernière trace? Ah putain, elle est là, elle s'efface. Peut être quelque part ici. Alors, où es-tu? Ah non, c'est un dindon. Pas ça qui m'intéresse. Bon, là, il y a des baies. Faut que je me débarrasse d'un truc, là. Qu'est-ce qui me sert pas trop? Ouais, tant pis. Ça, on laisse tomber. Hop, on va manger un peu quand même. Alors. Ça, on ramassera plus tard parce que ça diminue ma santé mentale, il me semble. Ah bah, il est revenu, Chefster. Bon, pour l'instant, je lui confie plus rien. Non, ça, on s'en fout. Il y a des choses intéressantes.
Ah, donc attends, je vais te confier mon or. Et je vais récupérer ça. Et je m'en servirai comme. Comme combustible. Ah putain, il y a une trace énorme. Maintenant que ça me sert plus à rien. Bon, allez, on va rentrer au campement. J'ai pas envie de crever. Alors, j'ai combien de baies? 4. 4 et du jambon. Allez. Alors. 1, 2, 3. Et une. Ah non, il n'y a rien. Donc, hop, frigo. Celui-là, on peut le lancer. Et ici, on va mettre ça. Et ça va faire des meatballs. Ensuite, ça, on peut prendre. Et mettre au frais parce que ça se garde. Ça on met là. Ça c'est prêt. Je vais prendre les meatballs avec moi. Hop. J'en ai encore un. Hop. Bon, on les refaire à feu. Bien chauffé, Lightstone. Et on va essayer vraiment de se faire ce coéléphant là, pendant que c'est un coéléphant d'hiver. Son j'ai de la bouffe sur moi, j'ai de quoi me soigner avec mes baumes. D'ailleurs, je vais mettre en première position les baumes pour être sûr de pouvoir toujours les prendre rapidement en cas de pépin. Et donc on attend. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre? Ça, je sais pas où on en trouve du marbre. Ça, on pourrait se le faire. Mais bon, j'ai déjà mon truc de buffalo. Ouais. Allez, on va manger un peu. On va manger ça. J'ai un boomerang, de toute façon j'ai une armure, j'ai une lance. Non, franchement, je pense que je peux me le faire tout seul, le coéléphant, pas besoin d'avoir des cochons, vu qu'en plus, dès qu'il y aura des buffalos dans les alentours, et ben, ils vont se mettre à les combattre, et vu que les buffalos sont en groupe, ils vont perdre les cochons, c'est sûr. Là, il y a quoi? J'avais plus de miel, j'avais plus un truc comme ça, là. Non, j'avais plus de miel. Et on peut déjà mettre ça. On va se faire des brochettes. Hop. Et on est parti. Alors je vais mettre à proximité de mon village ces trucs-là. Alors j'espère que Shifter va pas se les prendre. Mais comme ça, s'il y a un ennemi, j'essaierai de l'attirer dans le coin. J'en ai pas d'autres. Non, c'est bon. Ok. Allez. Alors la trace était là. Ah bah je peux récupérer ça. Non, non, non. Alors. La trace dit par là. Ensuite. Putain, les jours sont vraiment de plus en plus courts, c'est assez chaud. Alors, la bête doit être proche. En effet, elle est là.
Ok, alors on s'équipe. On utilise ça. Et boum! Alors là, il m'attaque. Il me fait mal. Vas-y, viens, j'ai pas peur de toi, moi. Je veux ta doudoune. Voilà. Ah, et puis il me donne plein de viande, j'avais presque oublié ça. Ouais, c'était easy. Aucun souci. Bah, j'ai même envie de me tuer un petit là. Ok, bon, bah, ça s'est bien passé. Ma santé mentale, elle est haute ou pas? Est-ce que je peux récupérer ça? Est-ce que ça, c'est utile pour la suite? Et je sais que ça baisse ma santé mentale d'en ramasser. Alors, je vais le faire pendant que je suis heureux. Et puis, je dormirai cette nuit pour la monter, puis voilà tout. Ah, ça me la diminue bien. Bon, allez, tant pis, je vais tout prendre. Voilà, l'écran commence à un peu bouger dans tous les sens. C'est que mon personnage devient fou, mais c'est voulu. Enfin, c'est voulu, je veux pas qu'il devienne fou, mais. C'est prévu. Allez, tu ramasses ça. Alors ensuite, tu vas faire quoi? Les Dark Petals, ça se... Ah oui, ça se périme, ça merde, j'avais pas prévu le coup. C'était dans quoi les Dark Petals? Ah oui, il faut quoi? Shadow Manipulator, et ça on fait ça comment? Ah ouais, d'accord, bon bah c'est mort. Tant pis, j'ai pris ça pour rien. C'est pas grave, on va mettre ça dans les coffres, hein. J'ai envie de dire, on a l'habitude. Ouais, putain, ma santé mentale, ça devient n'importe quoi là. Donc j'ai fait n'importe quoi. On va dormir, et puis c'est tout. Alors, on va se faire un feu. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré des trucs, donc une baie ici. Ça on va mettre au frais. Je vais manger ça. Ok, là on avait dit bon bah je vais me faire ça. Hop. Il faut que je dorme. C'est noté, c'est noté. Ensuite, là, on s'en fout de tout ça. Oui, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Ah oui, bah oui. Je voulais me faire la doudoune, là. Alors, prends les toiles d'araignée. Voilà. Et c'est ici. Non. C'est où? Voilà, elle est là. Voilà. Donc ça, on va le mettre tranquillement dans un coffre. Ah, je suis dégoûté, je savais pas que les Dark Petals... Faut que je me fasse un Shadow Manipulator, mais j'arriverai pas... En plus, attendez, attendez. Ah, mais il me faut ça, et pour faire ça, ben, il me faut des Dark Petals. Donc c'est un cercle vicieux quoi. Je comprends pas trop le truc. Bon. On va faire gaffe au feu. Vas-y. Hop. Et on va redormir pour monter un peu la santé mentale parce que là elle est bien basse. Les trucs de bison, c'était où? C'était pas là. C'était là. Hop. On les prend, on les remet. On va manger une brochette et on va dormir. Il y a le feu, il y a tout ce qu'il faut. Allez, dodo. Voilà.
Donc là, il a faim, on le sait. Voilà. Ok, donc on remet l'étoile d'araignée précieusement ici. Là, les Dark Petals, ouais, bon, bah, ils vont pourrir, hein, tant pis. Tant pis, j'ai mal géré. Mais alors, qu'est-ce qu'il me faut pour faire Shadow Manipulator, il me faut ça là, Nightmare Fuel. Alors je sais pas si on peut en trouver par terre ou quoi. On verra bien. En attendant, j'ai plus grand chose à manger. Ça met super longtemps à sécher. Donc on va l'explorer. Hein. Il y a des cochons pour aller se faire quelques buffalo. Bon, moi je me suis fait le truc d'hiver là, donc si je vois que je gèle trop vite, je pourrais toujours me faire ça. Oula, il y a pas mal de buffalo. Ah bah, ils ont tué un cochon. Là, il n'y a plus rien. Il faudrait que je trouve des baies, des trucs pour aller avec avec les lapins qui me restent. En tout cas, on va pas manquer de fertilisant. Les champignons, on va éviter hein, tant que possible. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, on va couper du bois, allez, tant qu'il y a des arbres aux alentours. N'aura jamais trop de feu pour l'hiver. Enfin, de bois plutôt pour le feu. Hop, on se refait une hache. Je pourrais me faire peut-être une maison de cochon. Pas loin de chez moi, bien qu'il y en a déjà deux, mais il n'y en a jamais assez, je trouve. Parce que ça peut vraiment faire des très bons alliés, à part les soirs de pleine lune, évidemment. J'ai pris le champignon, c'était pas voulu. Allez, on coupe du bois. Ah là vraiment le jour ne dure pas longtemps, on voit vraiment qu'on est en plein hiver. Le crépuscule qui dure super longtemps aussi, il faudrait peut-être que ouais, je vais redormir ce soir pour remonter ma santé mentale que j'ai vraiment beaucoup baissé et pour rien en plus, c'est là que je suis vraiment dégoûté quoi. Bon, les lapins, je pourrais les ramasser si besoin. Encore une peau de cochon par terre. Je crois que ça, c'est utile pour faire des maisons de cochons ou alors il n'y a pas un genre de chapeau en cochon. Il me semble qu'il y a un truc du genre. Allez, on se refait les arbres, les gros. Hop, encore une hache. Hop, tu ramasses ça, j'irai planter après tout ce que j'ai. Ah bah, étrange qu'il y ait une abeille là. Je croyais qu'il sortait pas l'hiver. Bon. Pourquoi pas. Allez, hop.
vraiment que j'ai le maximum de pommes de pin pour me faire ma forêt là que j'ai bien détruite près de moi. Allez, encore un arbre, on va dire celui-là. Et on rentre, on se fait un feu, on bouffe et on dort. C'est dommage que j'ai pas de filet là, j'aurais pu capturer une abeille. Alors je suis où moi? Oh putain, je suis vraiment plus loin que ce que je pensais. J'espère que je vais rentrer avant la nuit, sinon c'est mort. Ouais, ça va, ça devrait le faire. Première chose, c'est mettre du feu. Mais allez, mets du feu. Ok. Alors, on mange. On reprend ça. On met ça au frigo. Ainsi que ça. On retourne ici. On met ça à sécher. On se refait. J'ai rien à mettre avec, donc tant pis, on va faire ça. Je sais pas ce que ça va donner. Non, reprends-les. Hop, hop, je m'en garde une. Et on se fera des brochettes, comme ça on aura de quoi manger demain. Voilà. Et on va dormir pour remonter la santé mentale. Et on se quittera sur ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout fait. Allez, je dors. Et santé mentale remontée. Et j'ai très faim, évidemment. On bouffe. Et on bouffe. Voilà. Donc, eh ben, on va se laisser sur ça. On n'a pas fait grand-chose dans cet épisode à part tuer un coéléphant d'hiver. Donc comme ça, j'ai déjà sur un manteau chaud pour le prochain hiver ou alors celui-ci si le chapeau de buffalo tient pas le coup. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas gelé. Hein, donc j'ai l'impression qu'avec ma barbe et le chapeau de buffalo, ça tient le coup. Plus Lightstone qu'à chaque fois, je laisse recharger près du feu. Et donc voilà, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis ciao à tous.